42e participation. Ça s'est bien passé, monsieur le directeur? Oui, ça s'est bien passé. Je vais aller chercher votre trophée qui est ici, vous le remettre en main propre. Oui. Thaïlande, on va dire au revoir à tout le monde. D'accord, parce que c'est important. Tu viens là, tout ça. On va se mettre ici sur la première marche, ici, sur la deuxième marche. Voilà. Et on va dire au revoir, messieurs, dames. À demain midi et bon appétit. Vas-y. Et votre gagnante Paul s'élève à 635 188 euros. Et on embrasse fort la Rousseau. Ah oui, alors. Bon appétit, à demain. Édition spéciale, nous l'avons appris il y a moins d'une heure, Jacques Chirac est mort. L'ancien président de la République avait 86 ans, il allait en avoir 87, il est mort entouré par les siens, paisiblement à Paris cette nuit, nous dit un communiqué de l'agence France-Presse publié donc vers midi. Édition spéciale pour rester avec vous tout au long de la matinée de cette mi-journée pour évoquer cette immense carrière de l'ancien président. Il a été presque 12 ans président de la République après avoir commencé une carrière politique en 1965 à Saint-Ferréol en Corrèze, un département auquel il était très attaché. On ira tout à l'heure à Saran pour essayer d'avoir les premières réactions de ses anciens électeurs dont beaucoup étaient ses amis. Avec moi, Adrien Gindre. C'est un morceau, grand moment de l'histoire de la République. C'est de l'histoire politique, c'est de l'histoire même au sens le premier du terme, c'est-à-dire la France telle